Bonjour à tous. Alors, comme vous l'a dit Jean-Paul Chagnolo, la première table ronde que nous vous proposons va nous permettre de mieux comprendre peut-être les maux dont souffre l'Irak d'aujourd'hui en remontant l'histoire. Pierre-Jean Luisard, qui est donc à ma gauche, directeur de recherche au CNRS, va revenir sur les conditions dans lesquelles a été fondé en 1920, sous mandat britannique, l'État irakien. Ensuite, Myriam Yacoubi, à ses côtés, maître de conférence à l'Université de Toulouse, retracera les relations pour le moins houleuses que les Britanniques ont entretenues avec le premier souverain hachémite d'Irak, Faisal Ier, de 1921 à 1933. Ensuite, nous ferons un grand saut dans le temps avec Philippe Golub, professeur à l'Université américaine de Paris, qui nous rappellera comment et pourquoi les États-Unis de George Bush ont décidé d'envahir l'Irak en 2003, avec les conséquences désastreuses que l'on sait, non seulement pour l'Irak, mais pour toute la région. Et vous verrez qu'il y a des points communs entre l'occupation britannique et l'occupation américaine de l'Irak. Donc chaque intervenant aura 20 minutes pour s'exprimer, ce qui nous laissera du temps ensuite pour les échanges avec vous. Voilà, Pierre-Jean Luisard, vous avez la parole. Bonjour à tous. Est-ce que c'est audible? Oui, je crois. On m'a demandé de parler devant vous des circonstances de la fondation d'une institution qui s'est révélée mortifère pour le peuple irakien. Je dirais, il s'agit de l'État irakien tel qu'il a été fondé. Alors la comparaison avec la nation et l'État français, à mon avis, est un peu biaisée parce que l'État irakien n'a pas été fondé sur la volonté du peuple irakien, mais comme une conséquence d'une décision d'une puissance d'occupation, avec les conséquences que l'on connaît en matière de confessionnalisme politique qui s'est instauré, sans le dire, de façon subreptice, et qui, jusqu'à aujourd'hui, fait sentir son poids sur l'évolution politique du pays. Et l'on a effectivement beaucoup de comparaisons à faire entre les deux systèmes politiques fondés par les Britanniques en 1920 et en 2003-2005 par les Américains, et qui ont en commun le fait d'être des institutions fondées dans un pays qui a perdu sa souveraineté. Alors, je reviens sur l'idée d'État, d'État-nation et de nation, et sur la question suivante: existe-t-il une nation irakienne? Je rappelle que l'idée de nation excusez ma mauvaise voix. L'idée de nation est une idée qui est née en Europe, notamment en France et en Allemagne, et qu'elle se rapporte à des identités humaines, ethniques, parfois raciales, linguistiques ou idéologiques. Et elle est intimement liée à l'État-nation qui puise sa légitimité dans la représentation de la nation. Donc, une chose est à constater, c'est que l'Irak, dans ses frontières modernes, n'a jamais été une entité politique séparée et indépendante avant le XXe siècle. Il y avait des régions, des provinces, des circonscriptions administratives, mais le territoire de l'Irak se divisait en gros en trois grandes régions. Il y avait d'abord ce qu'on appelait le Bled ma bayn al-nahrayn, qui rassemblait Bagdad et Bassora, qui parfois étaient appelés l'Irak, donc l'Irak. Il y avait la Jazirée, où l'on voit que Mossoul, la grande ville du nord, jouait un rôle très similaire à celui d'Alep, comme grande métropole arabe sunnite au pied des montagnes qui, elles, étaient majoritairement kurdes. Et donc, les montagnes kurdes qui dominaient la plaine de Mossoul.
Donc, comme je l'ai dit, c'est un État qui a été fondé par une puissance étrangère. Il a été proclamé par Sir Percy Cox en 1920 à travers un gouvernement à visage arabe local. Il s'agit donc d'une création coloniale qui a été en guerre immédiate avec une majorité de sa société, notamment les chiites et les Kurdes, qui, à ces deux communautés, forment plus de 75% de la population irakienne. Et cette guerre que l'État irakien a menée à sa société se perpétuera et perpétuera cette opposition, ne laissant que quelques années de paix. On a parlé tout à l'heure des 40 années de guerre, de répression qu'ont connues les dernières générations, les générations les plus jeunes en Irak, mais il faut rappeler que les années de paix depuis 1920 se comptent sur les doigts de la main, notamment en ce qui concerne les Kurdes. Les Kurdes ont été en guerre pratiquement en permanence avec le pouvoir central, et les seules années de paix, on peut les situer à un moment privilégié, de mon point de vue, sous le régime de Qassem, du général, le premier régime républicain, qui avait fondé une alliance avec les Kurdes et les communistes, et aussi de façon paradoxale au début du régime bassiste, à un moment où, à travers le Front National, Saddam Hussein avait besoin d'alliés, et momentanément il les avait trouvés parmi les Kurdes et les communistes, mais on sait que cette alliance ne tiendra que quelques mois, et il y avait encore des ministres communistes au gouvernement que la répression avait déjà repris, et la guerre également au Kurdistan. Donc j'en reviens sur ce qu'était l'Irak, ce qu'on va appeler l'Irak officiellement à partir de 1920. Au début du XXe siècle, il s'agissait d'une province lointaine de l'Empire ottoman. Je rappelle que l'Empire ottoman n'était pas un État fondé sur un nationalisme ni turc ni autre, mais qu'il était fondé sur la légitimité religieuse du sultan calife, porte-drapeau d'un sunnisme qui faisait que, par exemple, les chiites d'Irak n'étaient pas reconnus en tant que tels. C'est là l'un des grands problèmes dont j'ai traité dans un livre sur les rapports entre sunnites et chiites. À savoir que les gens du livre, Ahl el-Kitab, les chrétiens, les juifs, jouissent d'un statut au regard de l'islam dont n'ont pas profité les minorités musulmanes ou issues de l'islam. Donc il y avait un statut de non-reconnaissance réciproque entre l'islam sunnite et l'islam chiite, mais qui ne posait pas trop de problèmes, dans la mesure où 80% de la population chiite vivait à l'époque en dehors des villes, dans un territoire tribal, hors d'atteinte du pouvoir central qui était basé dans les grandes villes, et qu'elle vivait de façon autonome, ne reconnaissant comme autorité religieuse et politique que leur direction religieuse basée dans les villes saintes chiites, notamment à Najaf, Karbala, Al-Qadhimiyye et Samarra, les quatre villes saintes chiites d'Irak. Donc il s'agissait de trois provinces, trois vilayettes, qui étaient des provinces très marginales de l'Empire ottoman. Très marginales, on le voit notamment dans le fait que, contrairement au Bilad al-Sham, à savoir la Syrie actuelle, le Liban, la Palestine et la Transjordanie, la Mésopotamie avait des élites locales très faibles qui ne jouèrent que très peu le rôle des élites joué par exemple par celles de Beyrouth, de Damas ou du Caire,
qui avait animé au XIXe siècle la Nahda, un mouvement de renaissance culturelle arabe qu'on peut qualifier de sorte de proto-nationalisme arabe. Alors il y avait bien eu des pachas réformateurs depuis que les Ottomans avaient repris le contrôle direct de la Mésopotamie après le massacre des Mamelouks en 1831, et notamment les efforts de Midhat Pacha de 1869 à 1872, mais ce n'a pas été suffisant pour ouvrir les provinces mésopotamiennes au monde moderne. Et c'est une grande différence entre la Mésopotamie, l'Irak et les provinces levantines, à savoir le fait que les idées en provenance d'Occident auront très peu d'effet, et parmi ces idées il y avait donc l'idée nationale, l'idée d'une nation, qu'est-ce que pouvait bien être une nation et plus tard la démocratie telle que s'en réclamera le roi Faisal. La société des provinces, des trois provinces de Bassora, Bagdad et Mossoul demeurait communautaire, religieuse et ethnique, avec de grandes familles connues comme les Souaidi, par exemple à Bagdad, ou les Pachechi, les Jalili, les Omari à Mossoul et les Nakrib à Bassora. Alors, l'autorité de la porte, je l'ai dit, avait été très largement fictive pendant des siècles où les trois vilayettes étaient sous la férule des Mamelouks. Et le retour, le désir affiché des Ottomans de contrôler, surtout face à la Perse voisine, le territoire irakien, avait finalement abouti au renforcement des élites locales, notamment la famille des Gailani, à Bagdad, qui parmi lesquels étaient choisis traditionnellement le Nakrib el Ashraf, c'est-à-dire le chef des descendants du prophète à Bagdad, ou dans plus au sud, la famille des Nakrib, à laquelle appartenait Taleb Pacha el Nakrib, qui donc jouait un rôle très important, et avec Abbasora des velléités autonomiste hein, qu'il va tenter de faire valoir auprès des Ottomans, des jeunes Turcs ensuite et des Anglais. Mais toujours est-il que ces élites locales à Mossoul, à Bagdad et à Bassora étaient des élites très conservatrices et très opposées à l'idée, par exemple, de constitution. Et très opposé au constitutionnalisme, et là ça va être une grande différence entre les sunnites et les chiites. Paradoxalement, les unionistes, le comité Union et Progrès, donc lorsqu'il va arriver à Bagdad, va trouver ses principaux alliés parmi un clergé chiite déjà acquis aux idées constitutionnalistes sous l'influence de la révolution de 1906 en Iran et sous l'influence d'idées constitutionnalistes venues essentiellement d'Iran, puisque c'est un fait notoire, si la Mésopotamie ottomane était particulièrement peu influencée par les idées en provenance d'Europe, elle était en revanche en lien direct avec des idées en provenance d'Iran ou des Indes. Et parmi ces idées, il y avait l'idée constitutionnelle. Donc on va voir ces élites sunnites, arabes, locales, appuyer de façon très ferme le sultan calife Abdulhamid avant sa destitution par les jeunes turcs, et se faire les relais locaux plus que jamais du panislamisme, et à ce titre ils vont manifester lors de l'arrivée des jeunes turcs une hostilité à l'idée constitutionnelle et au nouveau pouvoir ottoman.
Et on va voir pour la première fois, face au caractère autoritaire du pouvoir des jeunes Turcs en Mésopotamie, commencer à se dessiner l'idée d'une autonomie des Arabes, mais toujours au sein de l'Empire. Il n'y aura jamais de nationalisme arabe à l'image de ce que vivaient les élites au Caire, à Damas ou à Beyrouth, mais des revendications d'autonomie culturelle favorisées par favorisées par le caractère autoritaire du pouvoir jeune turc et les entreprises de turquification. Il y avait donc cette situation qui était vue depuis Istanbul, la capitale de l'Empire, comme une marge de l'Empire qui était d'ailleurs illustrée assez souvent par des dictons qu'on entendait souvent à Istanbul, des dictons qui manifestaient le fait que Bagdad et la Mésopotamie étaient vraiment un endroit où il ne fallait pas aller tellement c'était synonyme d'arriération. Par exemple, on disait souvent à Istanbul, mais voyons, cela se sait, même à Bagdad. Ou alors on disait aussi, ces deux-là, ils sont tellement amoureux qu'ils iraient même à Bagdad. Voilà, ce qui montrait bien que la Mésopotamie était un territoire délaissé, isolé et considéré par le pouvoir ottoman uniquement dans sa relation conflictuelle avec l'Iran. Et on va voir à partir de la fin du règne ottoman une conjonction nouvelle entre les intérêts d'une puissance coloniale qui voulait sécuriser la route des Indes, la Grande-Bretagne, et certaines élites locales, à savoir les élites arabes sunnites, qui vont sans transition troquer leur allégeance au sultan calife pour une allégeance envers la nouvelle puissance régionale, à savoir la Grande-Bretagne. Et ce changement radical va s'expliquer par le fait que ces élites locales à Bagdad, à Mossoul et à Bassora étaient des élites qui avaient toujours eu le pouvoir, même avant l'établissement d'un empire ottoman, et qu'il leur semblait naturel de le conserver, même s'il fallait pour cela changer d'allégeance. Et encore une fois, une alliance paradoxale va se nouer, c'est que lors de l'appel au djihad du sultan calife en 1914 contre la France et contre la Grande-Bretagne, qui avançaient leurs troupes pour occuper les provinces arabes de l'Empire ottoman, les seuls qui vont répondre positivement ne sont pas les sunnites, mais les chiites. Les chiites vont reprendre l'appel au djihad du cheikh al-Islam ottoman à un moment où déjà des contacts étaient pris avec des élites locales sunnites au nom des Britanniques. Le djihad de 1914-1918 va être un djihad essentiellement chiite, où l'on va voir une alliance, là encore paradoxale, entre les jeunes Turcs et les grands ayatollahs des villes saintes, qui vont mettre l'armée des Moudjahidines levée au pied levé à partir des combattants tribaux, venir prêter main forte à une armée ottomane, et l'armée dirigée par des officiers jeunes Turcs qui ne va pas, on le sait, être capable de repousser l'avancée des troupes britanniques.
à partir de l'occupation totale de l'Irak. Hein, je rappelle que les Britanniques débarquent à Fao sur le golfe arabo-persique en 1914 et en 1918, ils occupent Mossoul. Donc là aussi, on voit une grande différence, plus de 3 ans pour les Britanniques afin de permettre à l'armée d'occupation d'occuper l'ensemble du pays, alors que les Américains, grâce au bombardement notamment, ne mettront que quelques semaines. Mais les Britanniques vont diriger l'Irak à partir des Indes, hein, c'est-à-dire que l'idée était la suivante: il fallait sécuriser la route des Indes, et Sir Arnold Wilson, qui va siéger à Bagdad au nom des Britanniques, n'avait pas l'idée de la fondation d'un État irakien, puisqu'il était partisan des thèses défendues par les autorités britanniques des Indes, à savoir d'un pouvoir direct sur la Mésopotamie. Mais malgré tout, poussé par les autres alliés, il va organiser un référendum en 1918-1919, ce qui montrait bien la duplicité, puisqu'on faisait croire qu'on allait prendre en compte les desiderata locaux, ce qui évidemment ne sera pas le cas. Mais il est intéressant de voir les résultats du référendum, puisque les autorités religieuses chiites se sont emparées de cette occasion pour manifester leur souhait quant à l'avenir de l'Irak. Les grands ayatollahs avaient demandé de formuler leur souhait de telle façon: nous souhaitons que l'Irak s'étende de Mossoul jusqu'à Bassora avec un gouvernement arabe islamique constitutionnel, donc très important, là on voit la marque du chiisme, constitutionnel, sans lien de dépendance avec une puissance étrangère quelle qu'elle soit, donc refus de tout mandat, et qui pourrait être dirigé par un des fils du shérif Hussein de la Mecque. On sait ce qu'il en sera, puisque en 1920, un État local est proclamé, donc comme je l'ai dit, par Sir Percy Cox, et que la Société des Nations, trahissant toutes les promesses faites par les Occidentaux, les alliés notamment aux Arabes, vont diviser le Moyen-Orient en petits États, d'ailleurs souvent sur une base confessionnelle, le Liban, la Syrie, qui elle-même va être divisée en État du Djebel Druze, État des Alaouites, etc. Et ce qui sera moins visible va être l'alliance donc entre les élites arabes sunnites et la Grande-Bretagne, une alliance qui ne va être écrite, contrairement à par exemple le Liban, où le confessionnalisme politique, sans être officiel, va être de notoriété publique. Là, on cherchera en vain dans les textes constitutionnels, notamment le statut organique de 1924, une allusion, les mots sunnites et chiites sont totalement absents. Et pourtant, il s'agit bien d'un système confessionnaliste qui est mis en place, un système confessionnaliste qui a pu se mettre en place après la défaite militaire du mouvement islamique à travers le refus du mandat au moment de la révolution de 1920, qui va être une révolution qui, pour la dernière fois, va unir à Bagdad à travers un mouvement patriotique sunnite et chiite. Mais très vite, les élites, notamment militaires, Jafar al-Askari notamment, qui va être un des fondateurs de l'armée irakienne en 1921, vont prendre le dessus. Et la lutte pied à pied des autorités religieuses chiites contre la mise en place des institutions sous un mandat
et sous occupation étrangère va être un échec, puisque les Britanniques auront gain de cause en exilant vers l'Iran en 1923 et 1924 les principales autorités religieuses. Donc un traité anglo-irakien en 1922 sera signé, et en 1923, comme vous le savez, le traité de Lausanne reviendra sur les promesses faites aux Kurdes, ce qui permettra à la Société des Nations de rattacher le vilayet de Mossoul, où vivent une majorité de Kurdes, à un royaume qui se définissait comme arabe et qui ne prenait pas en compte le fait kurde. Donc je terminerai en disant ceci. Il faut aller chercher très loin les traces du confessionnalisme dans les textes constitutionnels qui ont présidé à la fondation de l'État irakien, mais on en trouve quand même des traces dans le Code de la nationalité de 1924 pour savoir qui était irakien, puisque c'était une nouvelle identité, soi-disant, et une nouvelle institution. Eh bien, qui était irakien? Les Irakiens ont été divisés en fonction de leur appartenance ou non à la nationalité ottomane. Ceux qui avaient eu la nationalité ottomane rattachée au sunnisme avaient la nationalité irakienne d'office. Ceux qui n'avaient pas de nationalité, qui étaient l'immense majorité de la population irakienne, notamment les chiites, qui ne voyaient pas pourquoi ils demanderaient la nationalité d'un pouvoir qu'ils ne reconnaissaient pas comme légitime et qui vivait en plus dans la hantise de l'imposition et de l'enrôlement dans une armée qu'ils voyaient comme une armée ennemie, ceux-là devaient demander la nationalité irakienne et prouver leur irakité. Ce qui a déjà, dès le début de la fondation de la nationalité irakienne, a engagé une grande différence entre les uns et les autres, les chiites étant soupçonnés de Shoabiya, c'est-à-dire d'être une cinquième colonne iranienne, alors qu'ils sont arabes dans leur immense majorité, et souvent soupçonnés de travailler au service de l'Iran. Et enfin, il y avait une autre catégorie qui était importante, et j'en ai terminé, c'est la catégorie C, hein, qui désignait les Irakiens de rattachement iranien. Alors ceux-là devaient être des citoyens de seconde zone, et ils ont eu beaucoup de mal à avoir la nationalité irakienne. Ça n'était pas seulement des membres du clergé chiite, mais c'était également des tribus arabes le long de la frontière avec l'Iran qui, pour échapper à la conscription obligatoire, avaient choisi la nationalité iranienne. Il faut savoir que Saddam Hussein a exhumé ces différences au moment où il rentrait en guerre contre l'Iran, pour dénier aux chiites leur irakité et leur arabité à un moment où le discours nationaliste arabe du Parti Baas cédait la place à un discours confessionnaliste, ce qui montrait que la parenthèse laïque constituée par l'émergence de partis comme le Parti communiste à partir des années 30 et le Baas à partir des années 40, en fait, avait été rattrapé par la question confessionnelle, puisque même les partis politiques laïques étaient devenus prisonniers d'un système politique dans lequel il est très facile de rentrer, mais duquel il est pratiquement impossible de sortir pacifiquement. Voilà, je vous remercie. Pierre-Jean Luisard, quand vous entendez aujourd'hui les manifestants en Irak depuis plus de 2 mois et demi crier des slogans comme « nous voulons une nation, nous voulons une patrie », qu'est-ce que ça vous inspire au regard de ce que vous venez de nous rappeler ? On entend la même chose au Liban et on est plein d'espoir parce qu'on se dit « ils sont jeunes,
ils veulent vivre ensemble. Mais vous savez que c'est très facile de susciter la peur les uns des autres. Il suffit d'utiliser le système milicien, qui est un système qui est lié au confessionnalisme politique, et ça a été le cas en Irak comme au Liban, pour ressusciter une rétractation sur des bases communautaires. Vous voyez, par exemple, au Liban, l'immense majorité des jeunes voudraient une citoyenneté libanaise qui ne soit pas basée sur le communautarisme. Mais on sait par des sondages que l'immense majorité des chrétiens, par peur, ne sont pas favorables à l'abandon du confessionnalisme politique, parce qu'ils voient le sort des chrétiens dans les autres pays où ils sont minoritaires. Et les systèmes ont une force de résilience qu'il ne faut pas négliger, parce qu'ils jouent sur la peur et sur le vide politique, et pas seulement, hélas, le vide politique, mais également le vide religieux, qui a fait souffler un vent de panique sur Najaf et sur Kerbela, puisque aujourd'hui il n'y a aucun acteur qui ne soit pas impliqué dans un système mortifère que tout le monde rejette. Mais même l'ayatollah Sistani, on s'en rappelle, a apporté sa bénédiction à l'établissement d'un système qu'il voyait comme bénéfique, et même les Kurdes, il ne s'agit pas de juger les uns les autres, on peut comprendre, vu ce que l'enfer qui a été vécu par la société irakienne, je me souviens qu'au moment de 2003, au moment de l'invasion irakienne, personnellement j'étais opposé à la guerre, mais je me souviens que j'étais en porte-à-faux avec beaucoup d'amis irakiens, chiites et kurdes, qui secrètement, au fond d'eux-mêmes, souhaitaient la guerre pour se débarrasser d'un régime dont ils avaient compris que sans intervention extérieure, ils n'y arriveraient jamais après la répression de l'intifada de février-mars 1991. Donc on est dans un cercle vicieux où les Irakiens cherchent désespérément à vivre ensemble une citoyenneté, mais dans les faits, on voit que le mouvement actuel oppose surtout des chiites à d'autres chiites. Depuis l'écrasement de Daesh, les Arabes sunnites sont vaincus et les Kurdes vivent en dehors du mouvement qui anime les villes saintes chiites, Bagdad ou Bassora. Donc c'est bien le communautarisme qui continue à prévaloir, et je ne vois pas d'acteurs susceptibles. Il faut bien que la société civile ait une traduction politique, et cette traduction politique, je ne la vois pas. Myriam Yacoubi, je vais vous donner la parole. On va revenir avec vous sur l'occupation britannique et sur ce bras de fer donc, qui a opposé le roi Faisal aux Britanniques jusqu'à l'indépendance formelle du pays en 1932. Voilà, il faut appuyer. Je crois que ça devrait aller. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier chaleureusement l'IREMO et son président, Monsieur Chagnolo. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette journée. Je suis honorée de parler ici devant vous. Un petit peu impressionnée aussi, je dois bien le dire. Il y a à peu près 100 ans, en 1920, il y a un soulèvement contre l'occupation britannique qui avait donc débuté dans les villes chiites et qui ensuite donc s'était propagé à tout le pays. Certains historiens ont voulu voir dans cet événement, ce que les Britanniques ont appelé une révolte, dans cette révolte de 1920, certains historiens ont voulu y voir une des premières manifestations d'un nationalisme irakien, disons, balbutiant, car il faut effectivement rester prudent avec cette notion, parce que ce mouvement avait semblé unir les différentes communautés irakiennes. Donc cette révolte de 1920, elle a eu des répercussions tout à fait centrales sur la manière dont les Britanniques ont envisagé donc leur présence dans ce pays.
Donc Monsieur Luisard l'a rappelé, les Britanniques donc, ont occupé l'Irak au début de la Première Guerre mondiale pour des raisons stratégiques, pour protéger leur accès au Golfe Persique, puisque cet accès au Golfe Persique leur garantit un accès à l'Empire des Indes, qui était bien évidemment la clé de voûte de leur empire. Les Britanniques avaient aussi à cœur de protéger les intérêts pétroliers qu'ils contrôlaient déjà dans le sud de la Perse voisine. Et les Britanniques avaient une présence informelle dans ce qu'ils appelaient à cette époque la Mésopotamie, à travers par exemple des intérêts commerciaux, des investissements de longue date dans le transport, le commerce fluvial, ce genre de choses. Je vais principalement donc m'intéresser à cette histoire du point de vue britannique, du point de vue donc de la puissance coloniale. Alors, non pas que la Grande-Bretagne ait seule dicté l'histoire de l'État, bien au contraire, je vais essayer de montrer comment les dynamiques d'opposition et les dynamiques de résistance l'ont constamment en fait forcé à s'adapter et à modifier ses stratégies. Mais il me semble qu'il est crucial de comprendre quelles étaient les priorités des Britanniques en 1921, quelles stratégies ils ont mis en place pour contrôler l'Irak. Et je voudrais aussi dire un mot de la vision finalement qu'ils avaient de cette société irakienne, parce que c'est évidemment cette vision de la société qui a aussi informé leur prise de décision. Donc je vais me concentrer en particulier sur la relation entre les Britanniques et Faisal Ier, donc le premier souverain hachémite d'Irak. Cette dynastie hachémite a régné sur l'Irak jusqu'en 1958. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi et comment les Britanniques ont choisi de coopérer avec Faisal. Je vais essayer de m'interroger sur les modalités de cette coopération et j'essaierai de montrer quels étaient les points de convergence entre Faisal et les Britanniques, mais aussi les nombreux points de divergence. Et Faisal et les Britanniques se sont tout particulièrement affrontés en fait, au sujet de la souveraineté de ce nouvel État irakien. Donc je vais commencer par expliquer pourquoi les Britanniques choisissent de s'appuyer sur Faisal, qui est, comme M. Luisard l'a expliqué, le représentant de cette élite arabe et sunnite. Donc les Britanniques s'étaient alliés avec la famille de Faisal pendant la Première Guerre mondiale, avec donc, le père de Faisal, le shérif Hussein de la Mecque. Faisal avait été particulièrement soutenu par Tilly Lawrence, que tout le monde connaît ici sans doute, donc le fameux Lawrence d'Arabie. Après la Première Guerre mondiale, le shérif Hussein va rejeter le nouvel ordre franco-britannique qui va être imposé au Moyen-Orient. Mais ses fils, qui avaient coopéré avec les Britanniques pendant la révolte arabe, ses fils, eux, sont enclins à prolonger cette coopération avec les Britanniques. Et c'est donc dans ce contexte que les Britanniques vont décider de soutenir Faisal, donc le troisième fils du shérif Hussein, et donc de faire de lui le premier souverain de cette monarchie irakienne que les Britanniques vont mettre en place en Irak. Quant à son frère Abdallah, les Britanniques vont faire de lui l'émir de Transjordanie, qui deviendra plus tard ce qui est aujourd'hui le royaume hachémite de Jordanie. Alors, pourquoi les Britanniques décident finalement donc de gouverner l'Irak en s'appuyant sur un régime et un gouvernement arabe? Pour deux raisons principales. La première a à voir avec le changement politique qui s'opère après la Première Guerre mondiale. En 1918, le président américain Wilson avait énoncé le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et même si, comme M. Luisard l'a dit, les Britanniques en fait, ne demanderont pas l'avis des Irakiens au moment de fonder cet État, ils pensent qu'en s'appuyant sur des institutions arabes, ils pensent qu'ils donneront au moins l'apparence de prendre en compte ce changement et ce nouveau principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ils comprennent qu'à cause de ce contexte international changeant, ils comprennent que l'Irak ne pourra pas être dirigé comme une province indienne. Et la révolte de 1920 leur a bien montré. La deuxième raison qui les pousse à s'appuyer sur ce régime arabe, elle est en fait financière.
les Britanniques donc réalisent que cela coûtera moins cher de gouverner, de contrôler l'Irak en s'appuyant sur des institutions locales que de le faire à grand renfort de troupes et à grand renfort de fonctionnaires britanniques. D'ailleurs, il faut dire un mot donc du rôle dans le contrôle britannique de l'Irak, du rôle que va avoir la Royal Air Force, puisque les Britanniques vont vraiment décider d'évacuer les nombreux bataillons qui sont encore au Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale. Et l'aviation va vraiment devenir la clé de voûte du contrôle de l'Irak par les Britanniques. Alors, pourquoi Faisal ? Donc, il est issu de cette élite arabe et sunnite qui, on l'a bien compris, constituait déjà le relais du pouvoir ottoman. Les Hachémites sont reconnus comme des descendants du prophète et les Britanniques pensent que ce statut prestigieux rendra Faisal légitime, en tout cas, ils l'espèrent, en tout cas acceptable, aussi bien aux yeux des sunnites que des chiites. Les Britanniques pensent que les relations de clientélisme que le père de Faisal avait entretenues avec les tribus bédouines du Hedjaz, ils espéraient que ces relations soient aussi un avantage puisque Faisal et ses frères ont été en partie élevés auprès des tribus bédouines du Hedjaz. Ils ont aussi été des représentants du Hedjaz au Parlement ottoman, donc les Hachémites sont aussi finalement des produits de la culture politique ottomane. Et enfin, donc, pendant la Première Guerre mondiale, avec leur coopération avec la Grande-Bretagne, ils ont aussi été introduits finalement à la diplomatie européenne. Donc les Britanniques pensent que Faisal sera quelqu'un qui, en Irak, aura vraiment la capacité d'interagir avec une multiplicité d'acteurs. Ils pensent qu'il sera à l'aise aussi bien avec des chefs de tribu que des notables, que des diplomates européens. Donc les Britanniques vont vraiment imposer Faisal et cette monarchie donc, qu'ils vont créer de toutes pièces en 1921. Ils ont fait en sorte d'éliminer les autres candidats potentiels. Donc ils prétendent organiser une élection, mais en l'absence d'autres candidats, ça se transforme en référendum, donc, qui est en fait vraiment une mascarade. Et après le couronnement de Faisal, les Britanniques vont vraiment s'employer à faire de lui une figure crédible pour incarner ce nouvel État et cette nouvelle nation irakienne. Ça va être tout particulièrement le travail d'une femme, Gertrude Bell, qui avait un rôle clé dans l'administration mandataire britannique. Elle est ce qu'on appelle secrétaire aux affaires orientales, donc c'est son rôle en fait que d'introduire Faisal auprès des représentants des différentes communautés irakiennes. Elle va vraiment s'occuper de ce qu'on appellerait aujourd'hui les relations publiques du roi. Donc elle le présente comme un dirigeant éclairé qui sera le garant du droit des différentes communautés. À ses yeux, donc Faisal a l'avantage d'être sunnite. Pour les Britanniques, l'islam sunnite est beaucoup plus éclairé que l'islam chiite. Ils ont une vision, Gertrude Bell en particulier, a une vision extrêmement négative du chiisme qu'elle considère comme une forme d'obscurantisme moyenâgeux. Et donc sa correspondance témoigne vraiment donc, du mépris qu'elle leur portait. C'est tout particulièrement le cas du clergé chiite. Alors peut-être que ça leur rappelle dans une certaine mesure le catholicisme, le fait d'avoir une organisation, et peut-être qu'on a là une forme de méfiance d'une puissance mandataire qui après tout est protestante. Donc les Britanniques vont s'employer à minimiser le caractère exogène de la dynastie hachémite en mettant en avant l'arabité de Faisal. Donc il y a une entreprise un petit peu de... disons, dans laquelle les Britanniques vont un petit peu nier peut-être les spécificités de l'histoire irakienne. Pour eux, l'Irak est avant tout un pays arabe qui a été conquis par les Arabes à partir du 7e siècle. Et donc, pour eux, il n'y a pas de raison que Faisal ne puisse pas incarner ce pays, malgré son manque d'ancrage local, puisque Faisal est né dans le Hedjaz. Donc, au début... Faisal a plutôt de bonnes relations avec les Britanniques, mais en fait, très rapidement, donc bien que ces deux parties soient alliées, Faisal et les Britanniques, très rapidement, leurs relations vont s'envenimer. Le premier bras de fer, va se jouer autour de la question du mandat de la Société des Nations.
Donc la Société des Nations, créée après la Seconde Guerre mondiale, donc crée ce système des mandats. Et les mandats sont définis comme une mission sacrée de civilisation. Donc il s'agit d'une forme de tutelle de la part de puissances supposément éclairées qui doivent amener, donc, des nations, qui doivent amener des peuples sur le chemin donc pour qu'elles deviennent des États-nations. Faisal comprend très bien que derrière cette idée de tutelle, qu'il y a un statut vraiment colonial. Donc Faisal va tenter, il aimerait convaincre les Britanniques d'abandonner le mandat, mais il voudrait en fait remplacer le mandat par un simple traité bilatéral entre les Britanniques et l'Irak, comme pour montrer, comme pour signifier que les deux pays étaient sur un pied d'égalité. Bon, pour les Britanniques, il n'en est pas question. Donc les Britanniques sont d'accord pour conclure un traité anglo-irakien, mais ils veulent le faire dans le cadre du mandat. Et le bras de fer va vraiment se jouer autour des termes de ce traité anglo-irakien. Et Faisal va se montrer donc pas du tout aussi docile que les Britanniques le pensaient. Et il va en fait encourager par tous les moyens possibles l'opposition au mandat et l'opposition à ce traité anglo-irakien. Donc il va par exemple financer des journaux qui vont publier des articles critiques hostiles aux Britanniques. Donc les Britanniques sont furieux, puisque, bien après tout, ce sont eux qui l'ont promu sur ce trône irakien. Et donc ils sont furieux de voir qu'il encourage l'opposition au traité tel que les Britanniques le conçoivent. Donc finalement, ce qui est intéressant dans cette relation entre Faisal et les Britanniques, c'est que les deux parties ont besoin l'une de l'autre. Donc ils utilisent à la fois la persuasion, la flatterie, et puis les Britanniques finissent quand même par avoir recours à un vrai coup de force, à recourir vraiment à un ultimatum pour que Faisal accepte les termes du traité anglo-irakien en 1922, tels que eux l'ont décidé. Donc finalement, ce traité qui sera validé, donc ratifié par l'Assemblée constituante irakienne en 1924. Donc les institutions du pays, hein, donc, c'est une monarchie constitutionnelle, mais Faisal a des pouvoirs tout de même assez importants. Il fallait que Faisal ait quand même des pouvoirs importants pour qu'il puisse finalement être utile aux Britanniques, pour qu'à travers lui, il puisse garder le contrôle d'un certain nombre de sujets très importants. Donc le traité vraiment donne clairement le dernier mot au haut commissaire britannique. Donc le représentant de la puissance mandataire est défini comme le conseiller privilégié du roi, mais on comprend bien qu'en fait il sera bien plus qu'un conseiller. Le second bras de fer entre Faisal et les Britanniques va concerner leur conception divergente de ce que devait être l'armée irakienne. Donc la conception de l'armée de ce nouvel État était très importante parce que c'était un État qui était déstabilisé du point de vue sécuritaire, doublement déstabilisé, déstabilisé d'abord à l'intérieur de ses propres frontières parce qu'il y avait toujours une menace de révolte de la part des chiites ou des Kurdes notamment. Et c'est aussi un État qui était menacé de l'extérieur. La menace venait d'abord de la Turquie, puisque ça sera qu'en 1925-26 que la frontière entre l'Irak et la Turquie sera déterminée. C'est la Société des Nations qui va arbitrer en faveur, j'allais dire, de l'Irak, enfin, en faveur de la Grande-Bretagne, en fait, donc pour que finalement la région de Mossoul soit bien à l'intérieur des frontières de l'Irak et non celle de la Turquie. Et l'autre menace à cet État qui vient de l'extérieur, ce sont les activités des Ikhwan, donc cette confrérie combattante qui était en fait le bras armé des conquêtes d'Ibn Saoud dans la péninsule arabique. Et à ce moment-là, ils ne les contrôlent plus et donc ces Ikhwan font des incursions en territoire irakien. Voilà, donc c'est un État qui est vraiment déstabilisé sur le point de vue sécuritaire. En 1924, les Britanniques et le gouvernement irakien concluent des accords stipulant que l'Irak devra être capable d'assurer sa propre sécurité d'ici quelques années.
Donc se pose la question de comment construire une armée irakienne indépendante. Donc pour Faisal, le moyen le moins coûteux et le plus efficace d'avoir une armée nationale serait donc de recourir à la conscription. Et par ailleurs, il pense que la conscription serait un moyen de forger une identité irakienne commune à toutes les communautés irakiennes. Ce projet de conscription inquiète beaucoup les Britanniques. En fait, ils sont inquiets à l'idée d'une armée irakienne qui serait très importante en nombre, parce qu'ils ont peur que Faisal soit éventuellement un jour en mesure d'utiliser cette armée contre eux. Par ailleurs, les Britanniques sont pour l'instant responsables de la sécurité de l'Irak, avec notamment le rôle de la Royal Air Force, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ils savent que ce projet de conscription risque de déclencher des soulèvements de la part des Kurdes, par exemple, ou aussi des chiites. Et donc, ils expliquent à Faisal que s'il y a un soulèvement, ça sera leur responsabilité que d'y mettre fin et que ça risque d'engendrer des coûts. Donc ils veulent éviter cela à tout prix. Les Britanniques sont aussi très inquiets de la réaction des tribus à ce projet de mettre en place la conscription. Alors cette inquiétude britannique au sujet des tribus révèle la place singulière qui était celle de ces acteurs politiques dans la stratégie britannique pour gouverner l'Irak. Les Britanniques ont considérablement renforcé le pouvoir des chefs de tribus, sunnites comme chiites, qui étaient considérés comme des intermédiaires clés afin de faire accepter le nouvel ordre politique dans les zones rurales. Donc les Britanniques se sont appuyés sur ces chefs de tribus pour lever les impôts, par exemple. Ils ont même mis en place un système juridique parallèle pour ces populations. Et en échange en fait, de leur soutien aux Britanniques, ces chefs de tribus se sont vus attribuer de vastes domaines fonciers. Donc il faut bien comprendre qu'en Irak, les Britanniques créent un État qui est presque un État féodal, d'une certaine manière, où ils vont récompenser ceux qui les soutiennent par donc, ces grands domaines fonciers. Donc cette stratégie s'explique par le besoin concret de maintenir l'ordre sur des populations traditionnellement réticentes à accepter l'ordre des gouvernements établis, mais ça s'explique aussi par le fait que les Britanniques voulaient faire contrepoids à l'élite politique citadine et sunnite notamment, et aussi donc à l'entourage de Faisal. Il faut aussi dire un mot des représentations britanniques au sujet des tribus. Pour les Britanniques, contrairement aux populations citadines, les tribus avaient été épargnées par la corruption de l'administration ottomane. Donc elles étaient perçues de manière beaucoup plus favorable. Et c'est notamment ce que pensait le second haut commissaire britannique, le successeur de Cox, Henry Dobbs. Et les Britanniques vont appliquer en Irak, en termes de relations avec les tribus, en fait, ils vont s'inspirer de ce qu'ils ont mis en place en Inde, et notamment dans la région qu'on appelait en Inde la frontière du Nord-Ouest, c'est-à-dire en fait la zone frontalière entre ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Afghanistan, puisque ce qui est maintenant le Pakistan faisait partie de l'Empire des Indes. Donc ils utilisent les mêmes méthodes de délégation de pouvoir aux chefs de tribu, le même système juridique parallèle et aussi une politique de clientélisme. Donc on a vraiment là deux conceptions complètement différentes entre la manière dont Faisal envisageait la construction de l'armée irakienne et les Britanniques donc, qui voulaient éviter la conscription à tout prix pour les raisons que je viens d'évoquer. Le dernier bras de fer, finalement, entre les Britanniques et Faisal va concerner la fin du mandat et donc l'indépendance formelle. Il faut vraiment mettre des guillemets au mot indépendance, l'indépendance formelle de l'Irak. Faisal voulait que cette indépendance arrive le plus tôt possible et les Britanniques, eux, tergiversent. Ils sont encore inquiets de l'instabilité sécuritaire du pays.
Donc ce n'est finalement, au départ les Britanniques pensaient le faire en 1928, mais c'est finalement qu'en 1932 donc les Britanniques vont proposer donc la candidature de l'Irak à la Société des Nations, puisque c'est la commission permanente des mandats qui devait se prononcer sur l'adhésion de l'Irak à la Société des Nations en tant que pays indépendant. Donc comme pendant le bras de fer au sujet du traité, Faisal, afin d'exercer une forme de pression sur les Britanniques pour les convaincre de proposer cette indépendance irakienne le plus tôt possible, Faisal va là encore utiliser sa marge de manœuvre du mieux qu'il peut, donc encore une fois en encourageant certaines publications hostiles aux Britanniques, par exemple. Alors avant 1932, les Britanniques vont surtout en fait s'occuper de conclure un traité qui va en fait préparer le terrain pour leur retrait formel d'Irak. Donc en 1930, ils vont conclure un nouveau traité anglo-irakien qui leur garantit en fait bien le maintien de leurs intérêts stratégiques et notamment donc les deux bases aériennes desquelles ils jouissaient, donc pour la Royal Air Force. Les termes du traité stipulent que la Grande-Bretagne aura le droit d'utiliser les installations militaires du pays en cas de guerre, d'y faire passer des troupes. Ces deux bases aériennes britanniques, les Britanniques n'ont pas à payer l'Irak pour les utiliser, donc c'est un avantage évidemment pour la Grande-Bretagne. Et il y aura des conseillers britanniques au sein de tous les ministères irakiens qui seront payés par l'Irak, encore une fois. Le traité stipule également que les Britanniques entraîneront l'armée irakienne et lui fourniront ses équipements. Enfin, le traité mentionne encore une fois que l'ambassadeur aura un rôle particulier, puisque, étant donné que la Royal Air Force pourra être amenée à intervenir s'il y a des soulèvements internes, il est normal pour les Britanniques que l'ambassadeur soit tenu au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Donc l'ambassadeur britannique ne sera clairement pas un ambassadeur comme les autres. Donc malgré le scepticisme de la commission permanente des mandats de la Société des Nations quant au progrès réel accompli par la Grande-Bretagne et l'Irak, en termes de formation d'État-nation, donc la SDN accepte l'indépendance de l'Irak en 1932. Mais vraiment, chacun a conscience que finalement, ce que la Grande-Bretagne a fait en Irak, c'est de se créer un État client à moindre coût, plus que réellement d'essayer de forger donc, un État-nation. Et en 1932, donc l'année même de l'indépendance de l'Irak, Faisal rédige un mémorandum dans lequel il expose sa vision de la nation irakienne. Et le ton est assez pessimiste. Étant donné que Faisal est mort prématurément l'année suivante, ce mémorandum a un petit peu acquis force de testament en quelque sorte. Donc je cite ce mémorandum rédigé par le roi. Donc Faisal écrit en 1932 « Selon moi, il n'y a pas encore de peuple irakien. Ce que nous avons, ce sont des masses humaines dépourvues d'une quelconque conscience nationale et de tout sens d'unité nationale. Des masses qui sont bercées par la tradition et la superstition religieuse, tentées par l'anarchie et toujours prêtes à se soulever contre tout gouvernement quel qu'il soit. Étant donné la situation, nous aimerions façonner ces masses en un peuple que nous aimerions éduquer, guider et éclairer. Quiconque a conscience de la difficulté à forger et à créer un peuple dans de telles conditions doit bien comprendre à quel point la tâche est immense. Voilà. » Donc, on l'aura compris, le projet des Britanniques en Irak était clairement un projet de nature impériale et non une mission sacrée de civilisation telle que le pacte de la Société des Nations le définissait. Et donc, pour conclure rapidement, cet État a clairement été créé donc, en fonction des impératifs stratégiques britanniques et de leur vision très étroite, en fait, de la nation irakienne. Donc, ce qui a effectivement un lourd, ce qui porte un lourd héritage, donc, avec la création de cette monarchie sunnite qui a exclu donc les chiites et les kurdes.
Et ils ont vraiment fait, les Britanniques ont fait de l'État irakien une institution dont il convenait de se saisir pour avancer ses intérêts et ceux de clientèle politique, finalement. Donc ce que je voudrais souligner aussi en guise de conclusion, c'est le retournement dans la manière dont les Britanniques percevaient Faisal. Donc il n'a pas du tout été ce monarque constitutionnel, il n'a pas voulu être seulement un symbole, et donc il a tenu à s'impliquer pour défendre l'idée de souveraineté de cet État irakien. Et donc même si Faisal et les Britanniques étaient alliés, en fait chacun de son côté a constitué ses propres alliances afin de contrer le pouvoir respectif de l'autre parti, essayant ainsi d'exploiter vraiment chacun à leur avantage l'hétérogénéité politique, religieuse et sociale de la société irakienne. Donc vraiment, les premières années, tout le mandat peut vraiment se lire comme un bras de fer entre les Britanniques et le premier souverain hachémite d'Irak. Je vous remercie. Merci Myriam. On va terminer avec une autre occupation dont les Irakiens payent toujours le prix aujourd'hui, celle des États-Unis qui décident en 2003 d'attaquer l'Irak en se présentant comme des libérateurs. Philippe Golub, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs d'avoir organisé ce colloque. Aujourd'hui, je vais, dans mon intervention, essayer d'éclairer très rapidement, bien évidemment, les motivations qui ont conduit les États-Unis à intervenir, à envahir l'Irak en 2003, et souligner aussi très rapidement les continuités entre cette action et ce qui vient d'être dit sur la politique britannique au début du XXe siècle. Le 19 mars 1917, le général Sir Stanley Maude publiait la fameuse proclamation écrite en fait par Sir Mark Sykes de l'accord Sykes-Picot, qui, au nom du roi d'Angleterre, promettait une nouvelle ère de paix et de prospérité, une renaissance pour les nobles peuples arabes de Mésopotamie, enfin libérés par Londres de la tyrannie et du joug, je cite le document, du joug multiséculaire ottoman. Nos armées ne viennent pas affirmer la proclamation dans vos villes et dans vos terres comme des conquérants, mais comme des libérateurs. Par une ruse cruelle de l'histoire, 86 ans et un jour séparent ce moment de l'invasion le 20 mars 2003 par les forces armées états-uniennes, conquête qui fut, comme celle de 1917, présentée par Washington comme un acte de libération d'un peuple opprimé, réellement opprimé bien évidemment, par une autre tyrannie, celle de Saddam Hussein et du Parti Baath. Les architectes de la guerre, coalition de néoconservateurs et d'ultranationalistes au pouvoir à l'époque, sous George W. Bush, présentèrent la chute du régime baathiste comme le premier pas d'un effort de reconfiguration d'ensemble et de démocratisation par la force de ce qu'ils ont appelé le Grand Moyen-Orient, artifice conceptuel gommant les distinctions politiques et culturelles des mondes pluriels de l'islam moyen-oriental. En août 2002, alors que se préparait la guerre, qui avait été décidée 10 jours après le 11 septembre 2001, le vice-président Dick Cheney déclarait ceci, et je cite, « Un changement de régime en Irak apporterait un certain nombre d'avantages à la région. Lorsque les menaces les plus graves seront éliminées, les peuples épris de liberté de la région auront une chance de promouvoir les valeurs qui peuvent apporter une paix durable. Après la libération, les rues de Bassora et de Bagdad éclateront de joie, à l'image des foules de Kaboul en liesse qui ont accueilli les Américains. » Pour sa part, le président George W. Bush, Bush ici en France, affirma le 26 février 2003, quelques jours avant l'intervention, et je le cite, qu'un nouveau régime servirait d'exemple dramatique et inspirateur de liberté, le succès en Irak pouvant ouvrir un nouveau stade dans la paix au Moyen-Orient, notamment en mettant en mouvement le progrès vers un État palestinien véritablement démocratique. Quelques jours avant l'invasion,
Le vice-président Cheney déclarait « Nous serons accueillis comme des libérateurs », propos repris par Paul Wolfowitz, autre architecte de la guerre, « Nous serons accueillis comme des libérateurs », disait-il aussi, devant les deux commissions des affaires étrangères du Congrès, donc du Sénat et de la Chambre des représentants. Ni l'un ni l'autre, pas plus que le ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, n'avait estimé nécessaire de consulter les arabisants du département d'État, pourtant nombreux et très qualifiés, ou les centres de recherche spécialisés, encore plus nombreux, des universités américaines, avant de se lancer dans cette aventure impériale. Au contraire, les décideurs et les acteurs clés, dont l'arrogance était inversement proportionnelle à leur très maigre reconnaissance, avaient choisi de les ignorer et de les marginaliser. Selon le général Wesley Clark, ancien commandant en chef de l'OTAN, critique de la guerre, comme de nombreux membres de l'appareil de sécurité des États-Unis, d'ailleurs, que ce soit au sein de l'appareil de renseignement du département d'État ou du monde militaire américain, selon donc le général Wesley Clark, la Maison-Blanche avait préparé un programme sur 5 ans, et ce, dès 10-15 jours après le 11 septembre, un programme sur 5 ans, et je le cite, « pour envahir 7 pays et en changer les régimes, en commençant par l'Irak. We are going to take out 7 countries in 5 years. » Nous allons descendre 7 pays dans 5 ans, selon Wesley Clark, dans l'ordre l'Irak, la Syrie, le Liban, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. Atteints d'amnésie historique et de myopie morale, de nombreux intellectuels et universitaires libéraux dans le sens de politiquement libéraux, apportèrent un soutien assez enthousiaste à la guerre, menée selon eux aussi au nom de la liberté et des droits humains par un empire bienveillant. En janvier 2003, Michael Ignatieff, alors directeur du très prestigieux centre Carr Center for Human Rights, le centre Carr pour les droits humains de l'Université Harvard, et depuis devenu politicien au Canada, plus connu avant tout cela pour ses écrits assez forts et moralement convaincants sur la guerre des Balkans et sur la nécessité d'une intervention effective pour mettre fin à la violence dans les Balkans, écrivait ceci dans le New York Times. Les solutions multilatérales aux problèmes du monde sont bien belles, mais elles manquent de force tant que l'Amérique ne montre pas ses crocs. L'impérium du XXIe siècle est une invention nouvelle dans les annales de la science politique, un empire light, une hégémonie globale dont les ornements sont les marchés libres, les droits humains et la démocratie imposée moyennant la puissance militaire la plus impressionnante que le monde ait jamais connue. Peu après l'invasion, John Eikenberry, universitaire de renommée internationale, chercheur influent du côté libéral dans les relations internationales, avait ceci à dire dans un colloque tenu devant des membres de l'État américain, et je le cite, « Les avantages américains en termes de puissance sont multidimensionnels, sans précédent et peu susceptible de disparaître de sitôt. Les États-Unis ont récemment exercé leur puissance militaire en Afghanistan et en Irak, montrant au monde ce faisant combien cette puissance est extraordinaire et efficace. De fait, la puissance en exercice a créé encore plus de puissance, ou du moins l'a révélée au monde. Les États-Unis peuvent, finit-il, faire tomber des régimes entiers sans avoir à supporter des coûts humains ou budgétaires élevés. » Il avait raison sur les coûts humains, mais pas sur les coûts budgétaires. Max Boot, journaliste et membre influent du Council on Foreign Relations, Conseil pour les relations extérieures, un think tank américain de renom, écrivit ceci. L'Amérique, le fait est frappant et n'a rien d'une coïncidence, est aujourd'hui confrontée à la perspective d'actions militaires dans des pays où, pour beaucoup d'entre eux, des générations de soldats britanniques ont fait campagne. L'Afghanistan et d'autres pays en proie à des troubles réclament à l'heure actuelle
le genre d'administration étrangère éclairée qu'ont assuré, il fut un temps, des Anglais sur deux portant des yodhpurs et des casques coloniaux. Jeffrey Garton, ancien sous-secrétaire au commerce international et doyen en 2003 de l'école de gestion School of Management de l'université Yale, appela à la création d'un service colonial américain à l'image du service colonial britannique, service colonial qui se chargerait, je le cite, du contre-coup des interventions militaires américaines nécessaires dans d'autres pays. En écho à une proposition similaire faite en 1900 déjà par le président de Harvard de l'époque, Lawrence Lau, alors que les États-Unis occupaient les Philippines et Cuba, Garton écrivit ceci: par une telle entreprise, nous admettrions comme une réalité que notre nation va être obligée d'intervenir militairement dans nombre d'autres pays dans les décennies à venir, et que la réussite de ces opérations dépend de notre capacité à établir des conditions de stabilité minimum et poser les fondements d'un progrès économique et politique ultérieur. En bref, en tant qu'empire, dont il ne manque que le nom, les États-Unis doivent créer une institution équivalente en termes de professionnalisme, d'objectifs et de compétences à l'ancien service colonial britannique. J'ai des dizaines d'autres citations de ce genre, je ne vais pas vous abreuver de ça, mais il y a eu un mouvement idéal d'idées aux États-Unis après le 11 septembre et à partir du 11 septembre 2001, un renouveau d'une pensée impériale qui était longtemps ancrée dans le subconscient ou l'inconscient de la pensée internationale des États-Unis, qui est revenu à la surface très puissamment. Comme l'a affirmé Edward Said à l'époque, chaque empire dans son discours officiel a toujours affirmé qu'il n'était pas comme les autres, que ses circonstances sont particulières, qu'il a une mission d'illuminer, de civiliser, d'apporter ordre et démocratie, et qu'il use de la force seulement en dernier recours. Et plus tristement encore, il y a toujours un cœur d'intellectuels consentants pour dire des mots apaisants sur des empires bénins ou altruistes, comme si nous ne devions pas faire confiance aux preuves que nous donnent nos yeux quand ils voient la destruction, la misère et les morts entraînées par la dernière en date des missions civilisatrices. Effectivement, les discours paternalistes cédèrent très rapidement le pas à la violence coloniale lorsque la population, une partie importante, des fractions importantes de la population irakienne, se révéla moins accueillante et docile que prévu. Des éléments démobilisés, en particulier de l'armée irakienne, et diverses forces sociales sunnites et chiites, de façon diverse, se soulevant contre les nouveaux dominants, comme en 1920. Violence coloniale, car les conquêtes s'accompagnent invariablement de la violence, non seulement de la violence de la conquête elle-même, mais de la violence continue des programmes de pacification, dits de pacification, contre les multiples résistances qu'elles engendrent inévitablement. Dans le cas britannique, la grande lutte d'indépendance, pour ne pas utiliser le mot révolte, la grande lutte d'indépendance de 1920, unissant chiites et sunnites pour un temps, fut écrasée avec difficulté dans le sang grâce aux campagnes de bombardement aérien préconisées par Winston Churchill, que Myriam Yacoubi a souligné, y compris des bombardements contre Najaf et Karbala. Les révoltes anticoloniales en Égypte de 1919, celles des Syriens contre la France en 1925 et celles des Sénoussis contre l'Empire italien furent également réprimées dans le sang. Dans le cas libyen, on estime le nombre de morts à peu près 80 000. Lawrence of Arabia a donné un chiffre pour le nombre de morts possibles en Irak. Le chiffre qu'il avait cité était de 10 000 morts en Irak du fait des bombardements britanniques et des opérations de contre-insurrection. Or, le bilan est autrement plus dramatique dans le cas états-unien. Des centaines de milliers de morts, directes ou indirectes, près de 500 000 selon les études épidémiologiques les plus sérieuses. La désarticulation institutionnelle que nous connaissons, résultant de la déconstruction de l'ensemble de l'appareil d'État,
l'insurrection, ou plutôt les insurrections diverses, la guerre civile interconfessionnelle, puis l'émergence de la rébellion armée, débouchant sur la formation de l'État islamique et de sa propagation régionale et internationale. Enfin, l'augmentation de l'influence iranienne dans la région dans son ensemble. Sans parler, bien sûr, du discrédit politique et de l'opprobre moral subi par les États-Unis dans la région et dans le monde pour avoir violé le droit international, puisque ce fut une guerre d'agression illégale selon Kofi Annan, pour avoir violé le droit humanitaire international, la disproportion dans l'utilisation de la force et mort des civils, ainsi que la violation de la Convention sur la torture de l'ONU ratifiée par les États-Unis en 1988. Bref, comme l'a souligné un ancien praticien du pouvoir, Zbigniew Brzezinski, l'ancien conseiller aux affaires de sécurité nationale de Jimmy Carter, l'invasion s'est avérée, et je le cite, une calamité historique et stratégique et morale pour les États-Unis, et bien sûr pas seulement pour les États-Unis. Et je reconnais bien sûr que ce ne fut pas un désastre pour tous. Je reconnais très bien que pour certains groupements politiques et sociaux en Irak, que l'élimination de Saddam Hussein fut un bien, mais dans un sens plus large, ce fut le désastre, je pense, qui est décrit ici. Comment interpréter alors, devant ces résultats désastreux, la décision américaine ? La guerre ne peut se comprendre, comme certains voudraient le dire aujourd'hui, sauf à privilégier les explications paresseuses et auto-justificatrices comme une simple erreur de jugement ou encore une aberration. Si tel était le cas, la longue et triste liste des guerres ou interventions postcoloniales des États-Unis en Asie orientale comme en Amérique latine ou au Moyen-Orient l'aurait aussi été. Cette grille de lecture paresseuse rappelle la formulation influente mais controversée de l'historien britannique Robert Seeley, qui écrivait en 1888 au sujet de l'Empire britannique que nous semblons, pour ainsi dire, avoir conquis et peuplé la moitié du monde sans y penser, in a fit of absence of mind. Contre toute évidence, l'Empire informel non territorial américain se serait donc, dans cette grille de lecture-là, construit et reproduit dans l'inconscience. Or, par définition, une aberration qui se reproduit régulièrement n'en est plus une, et des erreurs répétées prennent la forme de régularité. Sans entrer dans une discussion détaillée qui nous mènerait trop loin, on constate une logique d'expansion continue des engagements des États-Unis dans le Golfe et au Moyen-Orient après le retrait britannique de 1947, depuis la doctrine Eisenhower, précédé par le coup d'État fatidique contre Mohammad Mossadegh en Iran, jusqu'aux interventions intensifiées d'après-guerre froide. Il s'agit, comme le montre bien l'arabisant Michael Hudson de l'université de Georgetown, d'une logique d'hégémonie qui a le plus souvent fait appel à la coercition que à la persuasion pour modeler ou remodeler l'économie politique régionale selon les impératifs du moment. La guerre de George W. Bush, je pense, se situe dans le prolongement des interventions précédentes, y compris celles des Britanniques au début du XXe siècle, se distinguant des interventions américaines précédentes par l'amplitude et la démesure de ses ambitions impériales, phénomène que j'avais déjà souligné d'ailleurs en 2001 dans un article intitulé « Rêve d'empire de l'administration américaine » avant le 11 septembre. Les résultats généraux étaient prévisibles. Rachid Khalidi, successeur de Saïd à l'Université de Columbia, écrivit ceci en 2004. Domination économique, hégémonie culturelle, puissance brute, les États-Unis jouissent de tout cela au Moyen-Orient et dans une partie du reste du monde. Toutefois, bien qu'ils surplombent le Moyen-Orient comme un colosse, ils ont montré à maintes reprises qu'ils ne peuvent pas obtenir certains des résultats qui leur tiennent le plus à cœur. S'il s'agit d'une leçon en quoi que ce soit, c'est dans les limites de ce pouvoir brut et dans la capacité des réalités locales obstinées à dissiper les projections idéologiques les plus vives. Comme la France et la Grande-Bretagne avant elle, les États-Unis ne peuvent dominer la région pendant longtemps sans payer un prix exorbitant. Je conclurai sur ceci. 16 ans plus tard, l'école de guerre des États-Unis vient de publier, il y a 3 mois,
une forme de post-mortem sur la longue guerre en Irak, qui n'en finit pas, intitulée « The U.S. Army in the Iraq War », l'armée, le terre des États-Unis dans la guerre en Irak, un document de 700 pages, assez similaire d'ailleurs au document qui vient de ressortir sur l'Afghanistan, l'étude interne qui vient d'être faite sur l'Afghanistan, moins détaillé que les études sur la guerre du Vietnam, mais qui conclut une sorte de post-mortem non pas fini, qui conclut sur des très graves défaillances dès le départ, à la fois du politique et du commandement militaire, avec des conclusions plus que troublantes sur les failles et les faillites d'une stratégie qui se voulait une stratégie de démonstration de puissance et de la construction d'un nouvel Moyen-Orient, et qui a débouché, selon le document lui-même, par une défaite politique qui a désarticulé la politique dans la région. Merci. Merci Philippe. Je pense que maintenant on va passer aux questions, si vous en avez pour nos trois intervenants. Allez-y. Pas de questions? Si? Les micros sont sur le côté. On vous en passe un, c'est plus pratique. Maintenant, oui. Concernant la question que vous avez posée tout à l'heure à Pierre-Jean Luisard sur le communautarisme et les dynamiques actuelles. Comme Pierre-Jean Luisard l'a montré, Mariam Yacoubi ou Philippe Gottlieb sur l'histoire, ses racines sont importantes, on ne va pas passer outre, c'est une évidence. Un arbre existe parce qu'il a des racines. Si on coupe les racines, l'arbre meurt. Mais un arbre, c'est d'abord les feuilles et les branches. Et donc, ce qui est important, c'est certes de voir la nouvelle dynamique. Au début du XXe siècle, les logiques communautaires tribales dominaient. L'émergence d'une classe moyenne nouvelle qui n'est pas fondée sur la propriété foncière ou sur les tribus, a émergé depuis les années 60. Donc aujourd'hui, il existe une population qui n'est pas liée à la tribu, qui n'est pas liée à la religion, qui en est dedans, bien évidemment, et qui s'y réfugie en cas de crise. Normalement, on se réfugie dans la famille, on se réfugie dans ses racines, mais ce qui se passe actuellement au Liban, en Iran, en Algérie ou ailleurs, est une lourde tendance qui, effectivement, Pierre-Jean Luisard a la raison de le dire, est écrasé régulièrement par la résilience des racines. Mais est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, effectivement, après les expériences de la guerre américaine de libération, aboutie au fait que cette nouvelle population, cette nouvelle démographie, ces nouvelles ambitions sont beaucoup plus fortes et avec des chances peut-être d'aboutir un peu plus que ça n'avait le cas au début du XXe siècle. Donc la religion et les ethnies sont certes importantes, il faut en tenir compte. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les forces actuelles. Aux États-Unis, ils ont divisé l'Irak en chiites, sunnites et kurdes, avec un oubli majeur, Bagdad. Et la nouvelle bourgeoisie moyenne de technocrates, de gens qui étaient ni sunnites, ni chiites, ni kurdes, qui étaient irakiens, et qui essayaient, malgré tous les guillemets qu'il faut mettre à la notion d'État irakien, il existe quand même depuis 100 ans, donc c'est une réalité qui existe, en disant fictivement, utilisons l'État irakien qui permet de fonctionner à moi qui suis ingénieur, qui suis professeur, qui suis intellectuel, qui suis homme d'affaires et qui a envie d'intégrer l'Irak ou cette entité actuelle dans le monde contemporain, plutôt que de voir ce que pensait mon grand-père, mon arrière-grand-père, à propos de son attitude vis-à-vis des Britanniques, des Américains ou de Faisal. J'aurais une question. Non, parlez dans le micro, d'accord, s'il okay. vous plaît. Excusez-moi. Sur l'État irakien moderne, là je lis, l'Irak est un État sans nation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne croyez pas que c'est plutôt une nation sans État? Voilà ma question. Car vous connaissez, enfin, je connais très bien l'Irak, donc, mais je vous pose la question pour savoir quelle est votre vision de l'État irakien actuellement et de la nation irakienne par rapport à cet État qui est absent, d'ailleurs. Ce qui est important dans l'État irakien aujourd'hui, c'est l'absence d'intérêt général de l'élite qui gère l'État actuellement. Pierre-Jean Luisard. Ah, et encore une autre question. Oui. Bonjour. Merci pour vos interventions. Je travaille dans l'humanitaire, dans la prévention des conflits, et j'avais une question pour Monsieur Gouloub.
Je voulais savoir, vous avez parlé du constat de façon très claire, on a compris que beaucoup de choses n'ont pas marché, mais maintenant, actuellement, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la stratégie qu'auraient les États-Unis en Irak ? Parce que sur place, moi, je vois une ambassade à Bagdad, un consulat à Erbil conséquent, des moyens dans l'humanitaire, mais je me demande, en fait, y a-t-il un projet, y a-t-il un plan à court terme, à moyen terme ? Et quelle place, du coup, pour le Kurdistan, vu qu'ils discutent avec les autorités kurdes, quelle place pour les minorités ? Est-ce que les États-Unis, actuellement, d'après vous, tirent les conséquences de ce qu'ils ont fait et ont une stratégie à court et à moyen terme ? Merci. Bon, on va arrêter les questions parce qu'après, on n'aura plus le temps. Philippe Golub, vous voulez bien répondre aux deux dernières qui s'adressaient davantage à vous ? D'accord. Je voudrais dire tout d'abord que je ne suis pas du tout mécontente du fait que Saddam Hussein n'est plus là, hein. Tout à fait au contraire. Et que une tyrannie terrible a été éliminée est incontestablement une bonne chose et sans doute une nécessité historique. Mon propos s'adressait à des logiques différentes de la manière dont ça a été fait, le pourquoi ça a été fait, des motivations qui étaient derrière. Et je sympathise entièrement avec la population kurde et les autres parties de la population qui ont été très longtemps opprimées en Irak. Pourquoi est-ce que les États-Unis, je vais prendre les deux questions successivement, pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas appris de leurs erreurs précédentes ? Parce que la force souvent leur donne l'impression, une très grande prépondérance de force. A très longtemps donné aux décideurs américains l'idée que la force était un moyen clé de résolution des problèmes politiques. Et d'ailleurs, les coûts pour les États-Unis de l'utilisation de la force ont souvent été, et ça c'est vrai aussi, relativement bas, n'est-ce pas ? Vous pensez à la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam aux États-Unis a été très très coûteuse en hommes, en matériel et surtout sur le peuple vietnamien. Mais les États-Unis se sont rétablis peu après en faisant un mouvement de bascule avec la Chine de Mao. Les interventions américaines dans le Moyen-Orient en particulier avaient pour objectif initial des interventions à distance et par procuration. Ce sont devenues des interventions de plus en plus directes au fur et à mesure du temps. Il y a une logique d'escalade des engagements dans le temps. Et cette logique d'escalade des engagements dans le temps et devant des impasses politiques de plus en plus grandes, en particulier dans le cas de l'Iran et de l'Irak, et du projet d'endiguement dual de Clinton vis-à-vis de l'Irak et de l'Iran, ont poussé une fraction des élites américaines à essayer de solutionner leurs problèmes de prédominance ou d'hégémonie dans la région en éliminant les problèmes par la force. C'est la nature même de la force qui les pousse dans cette direction-là, plus ce que j'ai dit. Il y a eu un mouvement idéal, le développement d'une idée, après 1991 et après le 11 septembre 2001, que les États-Unis unipolaires pouvaient agir dans le monde de façon unilatérale et en changer la configuration. Donc il y a ça, hein, il y a à la fois de l'idéologie et les aspects matériels qui sont associés à ça. Pour ce qui concerne la stratégie américaine, aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se retirer généralement stratégiquement de la région. C'est une tendance très, très évidente dans le cas de la présidence actuelle, mais c'était le cas déjà sous Obama. Sous le président Obama, les États-Unis, sous Obama, une série de réflexions se sont développées sur le fait que les États-Unis devaient recentrer leur politique internationale en direction de l'Asie orientale et en particulier vis-à-vis de la Chine, futur cœur du monde et que futur cœur économique et stratégique du monde où les enjeux essentiels allaient être joués au XXIe siècle. Et que le Moyen-Orient devenait en quelque sorte un fardeau pour les États-Unis, à la fois au plan économique et au plan stratégique, et qu'un retrait progressif de la région était devenu nécessaire. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que
qu'Obama n'est pas intervenu, qu'il ait eu raison ou tort, c'est une autre question, mais c'est pour cette raison-là, c'est dans cette optique stratégique-là, que le président Obama n'est pas intervenu en Syrie après l'utilisation des armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. C'est aussi pour ça qu'Obama a décidé initialement de retirer les troupes d'Afghanistan, puis de les renvoyer, puis de les retirer à nouveau, avec l'idée, in fine, de retirer toutes les troupes américaines d'Afghanistan, n'est-ce pas, et d'Irak. Donc, stratégie américaine de désengagement, pas de stratégie générale d'engagement vis-à-vis de l'Irak, ou un plan. Il n'y a pas de pensée stratégique vis-à-vis de l'Irak aujourd'hui, à part limiter les futurs coups américains, dans ce pays et dans la région dans son ensemble. S'il y a une stratégie aujourd'hui, elle est déplorable, c'est celle que mène l'administration Trump sur le dossier israélo-palestinien, où sur ce dossier-là, l'administration américaine actuelle, contrairement à l'administration précédente, est en train de créer des faits sur le terrain, sans doute irréversibles dans le court terme, qui mettent en cause de façon absolument fondamentale à la fois l'autodétermination du peuple palestinien, mais aussi la possibilité future d'une paix durable entre les deux parties. Et là, il y a une politique, c'est une politique très puissamment régressive. Pour le reste, c'est une politique plus générale de désengagement. Pierre-Jean Luisa, vous voulez répondre à la question de monsieur? Irak, un État sans nation ou une nation sans État? La réponse à Bertrand Badie. Qui va l'emporter de la société civile et du système? C'est vrai que la société irakienne a évolué. Les tribus ne sont plus aujourd'hui les tribus du début du XXe siècle et l'économie a changé. Mais il y a des paramètres qui rendent peut-être moins optimiste, c'est que l'économie a changé, effectivement, mais le tout pétrole donne au système autoritaire, on le sait dans le monde entier, une capacité de résilience que d'autres systèmes n'ont pas. On le voit à la corruption, je dis corruption, je n'ai pas trouvé d'autres mots pour définir ce qui se passe en Irak, parce que corruption suggère qu'il y a un état de droit. Là, non, il n'y a pas d'état de droit. Et quand on demande aux dirigeants irakiens actuels de lutter contre la corruption, on leur demande de se suicider, parce qu'ils ne peuvent pas lutter contre la corruption, sinon ils perdent tout soutien. Celui qui a été, hélas, échaudé en ce sens, c'est Muqtada Sadr, qui s'était engagé il y a 3 ans comme le parrain des réformes et qui a été menacé par ses propres députés d'être purement et simplement abandonné. Et c'est comme ça à tous les niveaux. C'est comme ça à tous les niveaux. Et ce qui me rend aussi pessimiste, je vais vous livrer quelque chose de très personnel, c'est que je vois parmi tous mes amis irakiens que j'ai depuis des dizaines d'années et avec lesquels se sont forgés des liens d'amitié, notamment à l'occasion de la lutte contre le régime de Saddam Hussein, et dont beaucoup d'entre eux ont des postes aujourd'hui, soit d'ambassadeur, soit au sein du gouvernement, je ne citerai pas de nom, mais tous, j'en reste sans voix, eux qui ont connu la répression, qui ont connu l'exil, la torture, les assassinats, me récitent la fable du complot américain. Et je sais de façon certaine que des amis que je n'ose plus appeler amis ont été parmi ceux qui ont donné le feu vert pour l'utilisation des milices chiites, de ces snipers non identifiés sur les toits qui ont canardé les manifestants. Donc c'est une situation
où chacun a peur de l'autre, et on sait que l'être humain n'est pas porté à être exemplaire dans ce cas. Ça vaut, je ne juge pas, ça vaut certainement pour chacun d'entre nous. Et si vous voulez, il y a en Irak aujourd'hui une situation de crainte qui empêche la société civile de devenir transcommunautaire. On le voit par exemple chez les Arabes sunnites, le seul fait de critiquer aujourd'hui le gouvernement peut vous valoir de gros ennuis parce que on va le soupçonner immédiatement de sympathie non avouable et ce qui vous met en danger. Il y a aussi des campagnes d'épuration confessionnelle qui continuent. La dernière en date est celle qui a été pilotée par l'Iran de chiitisation de la province de Diyala, où des dizaines de milliers d'Arabes sunnites ont été chassés, se retrouvent maintenant dans des camps et où sont l'objet de menaces. Et on voit beaucoup dans les villes et dans les villages des inscriptions « Matloub Dam », le prix du sang est demandé. Voilà, donc tout ça ne milite pas en faveur d'une fraternité, même parce que la peur est là. La peur est là, et quand la peur est là, on se replie sur ce qu'il y a de plus sûr, c'est-à-dire le système dont on essaie de tirer une forme de protection, même si elle est illusoire. En ce qui concerne la question entre l'État et la nation, je vois que dans l'histoire de l'Irak moderne, bon, l'Irak, comme je l'ai dit, a une identité différente du Bilad al-Sham, hein, de la Syrie ou du Levant. D'une part parce qu'elle a cette majorité arabe chiite et avec une grosse communauté kurde, et d'autre part parce qu'il y a une identité irakienne qui a toujours privilégié l'identité irakienne au nationalisme arabe. Et celui qui a le mieux compris cela, c'est encore une fois le général Qassem, entre 58 et 63, qui s'est opposé aux nationalistes arabes pour préserver dans le monde arabe, avec des liens évidemment sans renier l'arabité de l'Irak, et avec également la part kurde qui est essentielle, mais qui a voulu préserver une identité irakienne. Alors cette identité irakienne, elle n'est pas une identité nationale. La place des Kurdes, à mon avis, et les Kurdes ne se sont jamais vraiment sentis irakiens. Et la question se pose de l'avenir du Kurdistan dans un contexte régional où, évidemment, c'est une question sensible qui remet en cause tout le système étatique régional et de reconnaissance des minorités. Donc, il y a la question du Kurdistan, et il y a cette question aussi des rapports entre les deux grandes branches de l'islam, le sunnisme et le chiisme, qui en sont arrivés à une guerre ouverte. On le voit aujourd'hui à travers le chaos qui règne non seulement en Irak mais aussi en Syrie, au Liban, au Yémen et partout où il y a des sociétés multiconfessionnelles. Donc je ne dirais pas que l'État irakien est en manque d'une nation, et d'ailleurs est-ce qu'il faut obligatoirement une nation pour vivre ensemble? Des pays qui ne sont pas des nations, la Suisse par exemple, vit très bien sans constituer une nation. Je pense que la question des frontières, même si c'est une question qui fait peur à juste titre, et notamment à nos diplomates, sera une question qui sera posée obligatoirement à un moment donné, notamment la question des frontières avec la Syrie.
qui sépare la Djezirée en deux et des populations qui sont les mêmes de part et d'autre. Donc tout ceci me porte à une très grande prudence et je me dis que ce référendum de 1918-1919, la communauté internationale qui porte une lourde responsabilité dans le destin de l'Irak tragique aujourd'hui, serait bienvenue, non pas d'organiser des élections, dans le contexte actuel ça serait la pire des choses, mais d'organiser un référendum pour savoir dans quel pays les Irakiens veulent vivre et dans quelles frontières et dans quel type de régime. Au moins, on saurait ce qu'il en est, ce qu'il est très difficile de savoir aujourd'hui du fait des peurs et beaucoup plus facile à exprimer à travers une urne dans l'isoloir. Voilà, il est l'heure de clore cette... Oh. Voilà, il est l'heure de clore cette table ronde parce qu'on a pris un petit peu de retard. Merci beaucoup à Myriam Yacoubi, Pierre-Jean Luisard et Philippe Golub pour leurs interventions.